Allez, on se rapproche doucement mais sûrement de cette fin de saison en WRC2. Salut à tous, ici Trader86. On retrouve aujourd'hui donc pour un nouvel épisode sur WRC10. Aujourd'hui le 20e épisode. On arrive au 6e rallye sur 7. On a 7 rallyes de prévu en WRC2. C'est le 6e. Aujourd'hui au Pays de Galles. Le dernier sera en Espagne. Au niveau du classement actuel, voilà, nous sommes premier, alors très provisoirement, parce qu'on peut voir que Marco Bulacia, qui est deuxième actuellement, a un rallye de moins que nous à son actif, et Mats Osberg en a carrément deux de moins, ainsi que Enrico Brazzoli. Donc voilà, c'est très 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 provisoire. On avait gagné il y a ça quelques temps au Portugal, puisqu'on n'était que 8 pilotes, et on était le meilleur hein, des 8, parce que les 7 autres étaient constamment dans leur 20e position. Donc ouais, c'était facile de gagner au Portugal. Kenya, on a réussi à remporter. C'était pas gagné, hein, c'était vraiment pas gagné. Mais on a réussi à prendre l'avantage. Mais pareil, il n'y avait pas Mats Osberg, par exemple, qui est très bon, ni Enrico Brazzoli, qui est très bon aussi. Donc tous les meilleurs n'étaient pas là. Donc c'est vraiment à tempérer, voilà, faut mettre des pincettes. Nos résultats sont pas vraiment très très réalistes par rapport aux concurrents qui sont présents pendant les rallyes, voilà. Ce qui fait que, bah écoutez, on a deux coupes, hein, deux coupes de notre escarcelle. Au niveau des statistiques, je rappelle, au niveau des réputations constructeurs pour éventuellement signer chez WRC dans quelques temps, nous sommes à 80% chez Toyota puisque on avait fait un essai constructeur chez eux qui avait fonctionné. Donc pour l'instant, ça c'est pas mal. Alors, avant toute chose, avant d'aller voir le calendrier, on a de la R&D à dépenser. On a 3 points de talent à dépenser. Alors, je pense que je vais prendre augmenter la chance de tomber sur des événements rares. Ouais, on va prendre ça. Voilà. Et on va se focaliser aussi un petit peu peut-être sur le personnel. Quoique là, on va peut-être augmenter la forme maximale aussi, ouais. On va faire ça, voilà. Et les membres d'équipe en réserve se reposent plus vite. Ouais, non. Et là, c'est quoi? Bonus de morale, non, pas besoin. Augmente les gains d'expérience, d'argent et de réputation pour chaque objectif constructeur, non. Là, réduit les coûts des événements, on est à 137 000. Ouais, c'est pas trop trop utile. Tiens, on va peut-être prendre la météo. Quoique sinon, il y a quoi ici là? Diminue la perte de morale en cas de défaite sur les événements. Augmente le total des gains en cas de victoire à un rallye. Ouais. Offre un bonus de morale en cas de podium. Ouais. Les membres d'équipe en réserve se reposent plus vite, baisse le coût de fatigue de tous les types de vêtements. Ouais, on va faire ça. On va faire ça, voilà. C'est pas mal parce que la fatigue baisse assez vite pour le coup. Au niveau de la gestion d'équipe, alors, nos petits membres ne sont pas reposés. Là, on a un recrutement à coordinateur logisticien 84-83. Le note est à 78, mais il est fatigué à 60%. Donc on va pas acheter. On va aller au niveau du calendrier. Qu'est-ce qu'on a à faire aujourd'hui avant ce rallye du Pays de Galles? Alors. Morale, non, pas besoin. Entraînement, on va laisser. Attends, on va aller voir déjà au niveau des objectifs. Qu'est-ce qu'on nous demande? Alors, il y a un échec d'objectif. Ne pas utiliser de pneus tendres durant deux rallyes. On l'a fait pendant le premier au Kenya. Faudra qu'on le fasse ici au Pays de Galles. Ouais, les pneus tendres. Alors, calendrier. Repos, on a besoin d'un repos. Ouais. Essai constructeur pour Ford de Toyota encore. On est déjà à 80% chez Toyota. Donc, on va peut-être laisser. On va faire le repos. C'est nécessaire, je pense. Voilà, on va démarrer. Ok, ah c'est pas remonté complètement chez tout le monde. On va aller voir au niveau de la gestion d'équipe. On a un financier là, 92-91, 3 étoiles. 93-93, donc une note est meilleure déjà. Coordinateur logisticien 90, donc voilà, on commence à avoir des bons personnels, ouais. Des bons personnels. J'ai vu des vidéos de personnes qui ont écrit collection sur les cartes, il y a écrit collection entre le nom du personnel, son nom, prénom et sa note. Juste au-dessus de la flèche, il y a écrit collection, donc je sais pas d'où ça vient. Bref, c'est pas grave, nous on n'a pas ça. Alors, un nouvel événement qui s'est rajouté. Alors, moral, non. Défi constructeur. Alors, si je réussis le défi pour Yaris, pour Toyota, ils vont me proposer un contrat et je pourrais pas finir la WRC2, donc je vais pas faire ça. On va faire un nouveau repos, puisque après, ouais. Après, on a quelques semaines où il va rien avoir. Ouais, regarde, il va y avoir 5 semaines où il va rien se passer. On va refaire un repos, voilà. On va démarrer l'événement. Ok, alors, des nouveaux objectifs. Déjà, ne pas descendre en dessous de 32 000 en 4 semaines. Alors, on est à 132 000, on a 100 000 de marge. Donc, ça va. Ne pas utiliser de pneus tendres durant deux rallyes. Ok, gestion d'équipe. Alors, responsable sponsoring 91-90. Est-ce qu'on en a un de ça? Non, on n'en a pas de ça.
Est-ce qu'on peut le recruter? Ah, on n'a pas encore, toujours pas débloqué cette profession, ok. Financier 92, 91. Nous, il est 93, donc ok, c'est pas mal du tout. Je me focalise sur les notes, je sais pas si c'est si c'est ce qu'il faut faire, mais bref. Allez, donc on avance. Là. Alors, pas besoin, on va aller voir une course anniversaire. Alors, les courses anniversaires, je vous les propose carrément dans le mode anniversaire du jeu, sans commentaire, avec un petit replay. Donc, ouais, on va le faire. Quoique, je sais pas, vu que je vous les propose déjà sans replay. Sinon, on aura quoi là? Ah, on a pas mal d'événements, ouais. Les points d'expérience, le moral, essais constructeurs pour Hyundai. Ah, ouais. Ouais, on peut faire ça. Écoutez, on va aller faire la course anniversaire, ouais. Avec la. En Grèce. Avec la Lancia 037. Allez, on va se le faire. On démarre l'événement. C'est parti. Oula, c'est un truc qui va être assez long. J'avais pas vu le temps de référence. 6:25, ok. Ok. Bon, je sais pas si celui-là, je voulais proposer. C'est quelle année? Alors attendez, je regarde quand est-ce que je vous poste cette vidéo. Ok. Et c'est 83. 83. Donc normalement, je voulais poster. Ah ouais, normalement je voulais poster avant-hier celui-ci. Oh, est-ce que c'est bien utile? Non, écoutez, on va le quitter. On va le quitter, je voulais poster avant-hier celui-ci. Ouais. Je pense pas que ça soit utile. Ah, j'ai quitté carrément la carrière, écoutez. Bah ouais, parce que je vous propose moi dans le mode 50e anniversaire d'autres vidéos. Ouais, bon, j'ai quitté le mode carrière, je suis désolé. Ah, dans le coup, ça, je suis obligé de le faire. Aïe, aïe, aïe. Ok, vu que je l'ai sélectionné, je suis obligé de le faire. Bon, j'espère que ça va pas me faire bugger ma. Ah, si, je peux faire abandonner là. Comme tu veux. Ouais, je l'abandonne. Normalement, ça n'a pas de conséquences sur mes statistiques. Je gagne quand même un petit peu d'expérience, tu vois. Ouais. Ouais, je voulais proposer il y a 2 jours celui-ci sans commentaire, mais voilà. Ça sert à rien que je le refasse, tu vois. J'aurais mieux fait de regarder avant. Je suis désolé. J'ai regardé mon petit calendrier juste avant. Allez. Pour l'instant, on n'a pas fait grand-chose. On va se faire un essai constructeur. Allez, on va aller chez Hyundai, voilà, parce que Toyota on a 83%. On va aller chez Hyundai. Gestion d'équipe, est-ce qu'on a quelque chose? Non, pas de nouvelles choses. Ok. Hop. On va se mettre. Tiens, on va se tenter en 115. Voilà. Je vais mettre l'effet des dégâts. Voilà, je voulais mettre effet dégâts élevé. Je vais changer ça aujourd'hui. Voilà, parce que ça fait un petit moment qu'on est en dégâts moyens. Alors, Toyota, j'ai déjà 83%. Donc, on va augmenter la réputation chez. On peut voir la relation là en bas à gauche. Donc, on va augmenter la relation avec Hyundai. Voilà. Quitte à ce qu'il y en ait deux qui nous proposent des contrats, autant que ce soit ces deux-là. Puisque le troisième Ford, on l'a déjà fait en junior. Voilà. Peut-être qu'il y aura plusieurs saisons en WRC. Allez, on est parti. Où c'est qu'on est? On est en Finlande, 5, d'accord. 4, 2 3, minutes 12 pour atteindre le marqueur jaune qui va apparaître sur partir. la gauche. Voilà. Avec la Hyundai. Ah, la Hyundai i20, c'est ma voiture de tous les jours. La voiture qui est garée devant chez moi. Gauche à fond sur saut 100 mètres. J'aime bien cette Saut voiture. Je à suis pas emmerdé contre avec cette voiture contrôle en 100 plus. mètres. Saut Ah, attention, parce restant que là on est en contrôle. WRC là. Pas WRC 2, donc c'est déjà plus rapide. Attention, gauche 5 sur saut, tenir 80 Ouah, mètres. ça saute. Et on est en Gauche Finlande. En 6 gauche Finlande, sur c'est saut des sauts de ouf. Hein. gros saut, reste au milieu, Oh, je 80 suis mètres. désolé pour le Et petit gauche cafouillage sur droite, l'épreuve anniversaire. J'aurais mieux fait gauche 6 de sur préparer ma saut, vidéo avant. tenir 150 Tu vois, c'est que je mètres. lance les enregistrements, je les prépare pas. Juste, je me sors mon petit calendrier juste avant. Gauche Oula, c'était chaud saut, ici. gauche 6 sur saut, Et tu tenir vois, je viens de 150 voir que je mètres. vous avais proposé cette épreuve anniversaire. Bah écoutez, 2 jours Gauche avant 4 court, que je 150 publie cette mètres. vidéo. Oh là là. Oh là là là. La bêtise. Tu vois, je suis en train de parler, je me concentre 150 pas. mètres. Saut, reste au milieu, 80 Bon, on mètres. devrait quand même réussir, hein. On n'est plus Saut, très loin du reste au marqueur, il nous milieu, reste une 60 minute. mètres. Attention, frein, C'est vrai que ça saut, saute en reste au Finlande, milieu hein. pour gauche 6 sur saut, pas corde, 80 mètres. Un truc de Saut, malade reste au ici. milieu, 100 mètres. Ah, qu'on n'a pas encore fait ce Gauche rallye, hein. 4 court, tenir, De 2 toutes les saisons secondes. qu'on a faites, on ne le fera pas en WRC 2. On le fera qu'en WRC, à mon avis, si on passe en WRC, ouais. Gauche à fond sur ciel, serre à gauche, dans droite à fond, et bosse 150 mètres. Bon, attention là. Attention, frein sur ciel pour droite 2, tenir 50 mètres. Épingle Je gauche freinais un peu en maintenant, pour avance. droite 4, long 200 mètres. Gaffe à rester sur la route. Ben, j'étais sur la route. Qu'est-ce qu'il me dit lui? Allez, le Serre marqueur est gauche dépassé, pour ça c'est gauche bon, il maintenant, reste 30 200 secondes. mètres. Et si je pouvais faire ça tous les jours avec Saut, reste au ma Hyundai, milieu, ça serait pas 4 mal.6 sur ciel, serre à gauche 150 mètres. Gauche 6 sur saut, 6 reste Je au suis parti milieu, où? C'est bon. 70 mètres. Attention, gros frein pour épingle droite serrée, grosse corde 80 mètres. Grosse corde.
Ça va, on s'en sort pas mal. Allez, reste 4 secondes. Voilà, ça c'est fait. 86% réussi. On augmente un peu l'expérience. La réputation qui augmente chez Hyundai. Ah, on a pris que 24, on pouvait prendre jusqu'à 31. Ah, ben forcément le moral qui baisse. Bah oui, le moral hein, de Volkswagen qui baisse vu qu'on va essayer la petite Hyundai. C'est pas bien grave, c'est pas bien grave. On était au maximum. Ce qui fait qu'au niveau des statistiques, réputation, voilà, on est à 80 chez Hyundai, 83 chez Toyota. C'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Gestion d'équipe, est-ce qu'on a des nouvelles choses? Non, visiblement. Financier, 88, 87. Ouais, mais il est un peu fatigué le mien, ouais. On va pas prendre en compte. Calendrier. Alors, eh ben écoutez, c'est parti. Le rallye du Pays de Galles, 2000 d'inscription. On peut gagner jusqu'à 49 000. Ok. Ok. On est parti. On démarre l'événement. Alors, on se met, comme d'habitude, en 130%. C'est notre difficulté, celle qu'on a trouvée. On a mis un petit moment à la trouver, mais c'est celle-ci. Donc, on passe en dégâts élevés. Voilà, on passe en dégâts élevés. Influe sur les dégâts subis par la voiture lors des impacts. Les dégâts d'usure sont fixes et égaux. Voilà. Donc, élevé en restant en longueur courte pour l'instant. Et on valide. Allez, on va aller faire, bon, comme d'habitude, le shakedown pour avoir un jeu de pneus en plus. Ouais, 4 nœuds de pneus. 4 nœuds de pneus. Alors, on va pas prendre de pneus tendres, puisqu'il y a un objectif qui nous demande de ne pas utiliser de pneus tendres durant deux rallyes. On l'a fait au Kenya. Donc là, on va prendre que du dur. Voilà, comme ça. Le problème est vite réglé. Voilà, on confirme. On part pour un shakedown là, de 1 km qui ne compte pas au classement. Après, une spéciale de 6 km à l'aube. Après, on aura 4 km en soirée et 6 km de nuit. Ok. Ok, ok. Bon, bah écoutez, on est parti. On est parti pour le shakedown. Voilà, voir comment notre Volkswagen se comporte ici. Au Pays de Galles. Pays de Galles qui est pas évident. Franchement, il est pas évident. Il pleut souvent. D'ailleurs, là, on a de la pluie. Et donc, maintenant, il va falloir faire attention aux impacts. Hein, parce qu'on a augmenté la valeur de dégâts. On est passé en réaliste. Glissant, glissant, il a dit. Attention, oh, attention, tu vois, il suffit que j'augmente les dégâts pour faire n'importe quoi. Ah, il faut que je me mette dedans là. Je suis pas du tout dedans, ouais. Ah, je m'en veux encore un peu de mon petit cafouillage avec l'épreuve anniversaire. Alors, c'est pas parce que. Oh là là, je suis en train de casser ma voiture là, c'est pas possible. Bien sûr, c'est pas parce que je vous propose déjà les épreuves anniversaires sans commentaire en dehors de la carrière que je ne les ferai plus en carrière. Hein. Là, je les ferai quand même, hein, mais c'est que là, vraiment, je vous avais proposé exactement la même chose il y a de ça 2 jours sur la chaîne. Bon, sans commentaire, certes, mais voilà, avec le replay en plus. Donc, vu que ça fait 2 jours, je vais pas vous proposer la même chose, d'autant qu'il y en avait pour 6 minutes. Voilà. Par contre, quand on aura une épreuve anniversaire qui sera que j'aurais pas encore diffusé ou que j'aurais diffusé il y a très très longtemps déjà, bien sûr, on la fera, bien sûr. Allez, on se concentre là, on n'a pas écouté Jean-Marc et dans le coup, on a fait de la merde et on a déjà pas mal tapé la voiture, ouais. Ouh là 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 là, mais c'est vrai qu'on voit pas grand-chose ici, hein. Attention, là, en plus, on risque d'avoir les meilleurs pilotes face à nous. Je suis pas du tout dedans là, ouais. Alors on va arriver à la fin du checkdown. C'est vraiment pas évident ici le Pays de Galles, ouais. Là, à mon avis, on va pas terminer premier, je pense. Hein. Allez, c'est quoi ce paysage moche là? 1 minute 50, malheureusement, on ne voit pas le temps des IA. Ah là là, c'est bien dommage ça. Abandonner la journée, non. Information, non. Réparation. Automatique, on a 39 minutes, donc c'est bon, ça permet de tout réparer, on confirme, oui. Je pense que c'est une bonne chose de passer les dégâts en réaliste. J'ai attendu un peu tard, hein, mais je me suis rendu compte trop tard qu'en fin de compte, c'est vrai que je n'y pensais plus aux dégâts. Même si on faisait, on réparait pas complètement la voiture, mais bon, je m'en inquiétais pas trop. Et du coup, là, je me suis dit, putain, ce serait pas mal de les augmenter, ouais. Allez, on part pour une super spéciale de 6 km à l'aube. La météo est inconnue forcément puisque j'ai laissé mon météorologue dans la réserve. J'ai oublié de le remettre. Ça aussi. Hein. Tu vois, je prépare pas ma vidéo. Hein. Je les lance juste sur mon petit calendrier de diffusion, mais c'est tout. Après, je prépare pas mes vidéos et c'est peut-être une erreur. Allez, on est parti.
première spéciale qui compte pour le rallye. Et il pleut. On est au Pays de Galles, il pleut. C'est peut-être cliché, mais bon. Faut se concentrer maintenant, hein. Faut que j'arrête de parler. Attention, frein gauche 3 sur ciel, tenir, et droite 4, pas corde, tenir. Oh putain. Dans gauche à fond, long, bosse sur ciel. Ah ouais, ça glisse parce que c'est mouillé en fait. Et gauche 5, con, sur saut, et frein pour gauche 3. Oh putain, je fais quoi? Je fais de la merde. Ça glisse en fait parce que c'est mouillé. D'habitude ça glisse pas autant. Ah ouais, ça glisse à mort, ça glisse à mort, ça glisse à mort. Ah puis il y a de ces flaques, c'est un truc de malade. On est presque en conditions extrêmes là. Oh putain, ça glisse, ça glisse. Oh, 8 secondes. Aïe, 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 ça fait mal. Ah, je suis pas dedans, je suis pas du tout dedans, là, ça glisse de trop. Très compliqué ce rallye, ouais. Oh, putain, je suis parti où? Allez, mets-toi dedans, là, Nicolas, là. Ah, faut pas rouler dans les flaques, ça nous ralentit. Ah, putain. Mais non. Allez, vas-y, reviens dedans, là. Ah, puis je vois pas grand-chose, hein. Oh! Mais qu'est-ce qui se passe? Il suffit que je mette les dégâts en réaliste pour que je tape partout. Non mais c'est n'importe quoi. Je contrôle pas ma voiture là sur le mouillé là. Y a pas des terres humides? Non, ça existe pas des terres humides. 17 secondes! Oh la vache! Alors déjà je vois rien. En plus ça glisse à mort. Et pourtant, je suis dans la même difficulté que d'habitude, hein, ouais. Droite 5, bosselé, et gauche 5, ferme à travers portail. Et droite 5, en dévers sur bosse 30 mètres. Et attention, saut, reste au milieu dans gauche 4 sur ciel. Oh putain, le gauche 4, là, je le sens mal. Et c'est bon, ça passe. On voit rien, hein. Pas corde, 40 mètres. Pas corde, il a dit, hein. Attention, droite 5, tenir sur saut, 30 mètres. Et gauche 4, tenir, 30 mètres. 24 secondes. Oh là 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 là, c'est quoi ce rallye? Surtout pas corde, très long, court, bosselé. Dans, attention, frein pour épingle droite, 50 mètres. Alors là, je te dis qu'on va redescendre au classement, là, ouais. Alors souvent, la première spéciale en galère, on remonte un petit peu dans les deux dernières. Non, tombe pas, tombe pas, tombe pas, tombe pas, tombe pas. Remonte, 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 remonte. Oh, 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 c'est chaud. Et gauche 5, très long, ferme en 3, mille euros au croisement, 30 mètres. Ça glisse à mort. Oh, je vois que dalle. Elle est où la route? Allume les phares, là. Vas-y, j'allume les phares. Je vois rien. C'est où? C'est par là-bas. Oh là, on a encore perdu 3 secondes. Droite à fond, 40 mètres. En vrai, je vois rien. C'est horrible quand c'est mouillé, en fait. Hein. Je l'avais fait sur le sec en WRC3. Ça s'était mieux passé, ouais. Oh, on va avoir 30 secondes de retard déjà, rien que sur la première spéciale. Gauche 4 en dévers, dans boss. Vas-y, je laisse allumer les phares, hein, parce que je vois rien. C'est... Non! Remonte, 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 remonte! Pas de pénalité, s'il te plaît, déjà qu'on est dans la merde. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, le calvaire! On va finir avec plus de 30 secondes de retard. Compliqué, compliqué. 36 secondes, on finit 16ème, on est dernier! On est dernier, on est 16 pilotes! Et il n'y a pas les meilleurs, encore une fois. Hein. Bah ouais, c'est qui ça, Pedro? Pedro, il a qu'un nom. Hein. Il a pas de prénom, il a pas de nom de famille. Ouais. Et il n'y a pas les meilleurs. Hein.
Il n'y a pas Mats Hosberg ni rien. Oh là 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 là! C'est le fait d'avoir augmenté les dégâts qui fait ça? C'était chaud! Ah ouais, c'était très très chaud, ouais. Bon. Réparation. Automatique. Voilà, on a 44 minutes. Ça nous met à 100% partout. Donc ça, c'est pas mal. On va confirmer. Ok. L'objectif à court terme, ne pas descendre en dessous de 32 000 durant 4 semaines est fait. Voilà, ça c'est cool déjà. On va changer les pneus. Mais c'est dur, hein. Oh là 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 là. Cette première spéciale, c'est chaud, ouais. Bon, on est à 100% partout au niveau des pneus. Eh ben écoutez, on part en soirée pour 4 km. Ah oui, c'est celui-là. Aïe aïe aïe. Ah oui, le long de la côte là, il est compliqué. C'est compliqué celui-là, ouais. 5, 4, 3, Allez. 2, 1, c'est J'ai parti. envie de laisser les phares allumés, hein. On voit mieux avec les phares allumés. 100 mètres droite, 5, tenir. Et gauche, 4, long, tenir, ouvre. Là, le trottoir aussi, il fait déstabiliser. Droite à fond, long, ferme en 5. Dans gauche, 5, ouvre, pas corde, 100 mètres. Gauche 4 court, dans droite 4 ferme. Et gauche 4 court, ferme et gauche 4. Oh mais dans quoi j'ai tapé? Dans quoi j'ai tapé, sérieux? Oh là 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 là, c'est pas possible. Droite à fond sur ciel, ferme en 5, court, dans gauche 3. Oh, j'avais déjà 2 secondes de retard avant de me faire le tête à queue là. Droite 4, dans gauche 3, court, dans droite 3, ferme, bosselé et gauche 3, court. Oh là 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 là, c'est la catastrophe aujourd'hui, ce rallye! Dans droite 3, court, et gauche 4, court, 30 mètres. Qu'est-ce qui se passe? Droite 3, tenir. Dans gauche 3, ferme, pas corde. Voilà! Oh là 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 là, c'est pas possible, on joue avec les murs! Et droite 4, ferme, et 3, 40 mètres. Mais dans quoi je tape? Et gauche 5, sur ciel. Et gauche 4, court, dans droite. Je sais même pas dans quoi je tape pour le coup. 8 secondes! Putain, ça va, c'est pas cher payé par rapport au tête à queue. Dans gauche 3, ouvre. Dans droite, à fond, ferme. Dommage pour le tête à queue. Et gauche 3, tenir. Je te jure, des fois, je tape du cul dans je sais pas quoi. Dans gauche 5, ferme en 4. Dans droite 5. Gauche 4 sur bosse, 40 mètres. Oh, on a remonté d'une seconde. Attention, faut pas que je me déconcentre. Tu vois, j'ai le cul qui tape en fait. C'est le cul qui tape dans les rochers. Droite 3, court, rocher extérieur. Et gauche 5, pas corde, 200 mètres. Droite 5, 40 mètres. Oh, on a encore perdu du temps, c'est ouf ça. Gauche 5, 30 mètres. Mais putain! C'est quoi qui tape là? J'étais au milieu de la route! Oh putain, je commence à rager, c'est pas bon ça. Bon, c'est officiel, je déteste ce rallye. Je te jure, je me demande des fois dans quoi ça tape quoi. Je suis au milieu de la route et ça tape quoi. Ouais, bah c'est pas trop tôt, hein. Putain, mais ça tape dans quoi, des fois? Je suis au milieu de la route, quoi. 12 secondes. Aïe, 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 aïe. Bon, on peut que remonter. On était dernier. Allez, on remonte à la 15e place. 42 secondes. 42 secondes, mais c'est n'importe quoi. Allez, c'est la Power Stage de nuit. Ouais, la Power Stage de nuit. Et ce rallye, il est en conditions extrêmes. Et il n'y a pas les meilleurs avec nous. J'ai bien mis en 130%, je me suis pas trompé. choix des pneus. Bon, écoutez, on va garder cela, c'est pas grave. 5, 4, alors, on se concentre 5, là, 5, 6 km de nuit. 2, 1, partez. Droite 4, ouvre sur bosse, dans gauche 3, serre à gauche sur cuvette. Ça va, là, c'est pas mouillé, il pleut pas déjà. 4, court. Dans droite 4, ferme sur ciel, 30 mètres.
Attention, droite 3 glissant, ferme sur ciel, 50 mètres, bosselé. Gauche 4, Milo, dans droite 3, ouvre. Déjà, quand c'est pas mouillé, c'est un peu mieux. Tu vois, je la contrôle mieux, ma voiture, là, déjà. Là, je me sens plus à l'aise, ouais. Attention, gauche à fond, ferme en 4, sur bosse, 40 mètres. Reste au milieu, pour saut sur ciel. Alors, je fais quand même de la merde, mais bon. Et attention, frein, pour équerre droite au croisement à travers portail. Dans gauche 4 et droite 5, danger, ferme sur ciel. Pour gauche 5, dans bosse sur droite 3, 50 mètres. Droite 5, tenir ferme. Dans gauche 3, ouvre. Oh putain! Et droite 4, nous bosselé. Ah, c'est bon, on n'est pas trop trop en retard. Dans gauche 5 sur ciel à travers portail. Attention, gros frein. Pour équerre gauche glissant étroit à travers portail. Et droite 3, dans gauche 3, pas corde. J'ai enlevé la pancarte. Dans, attention, saut. Dans épingle droite, pas corde, ouvre. Dans gauche 2, Milo à travers flaque. Dans enfilade sur ciel. Et droite 4 à travers portail. Et gauche 3, court, ouvre, corde. Dans droite 3 sur ciel. Et gauche à fond. Dans droite, il est hyper lent ce rallye en fait, ouais. Et attention, gauche 4 à travers portail. Dans droite 4, très long, ferme sur ciel. Dans gauche 5, court. Faut qu'on aille chercher au moins les 5 points de la power stage, ça serait pas mal. Qu'on sauve les meubles. Gauche 4, pas corde sur tarmac. Ah non, on est encore en retard. Hein. On est encore en retard, malheureusement. Dans droite 5, dans gauche 4, court, frein. Pour équerre gauche, pas corde sur gravier. Et droite 4, court, 80 mètres sur bosse. Danger, équerre droite, pas corde. Pas corde, il a dit. Et gauche 2, court, je suis super lent, je suis super lent. Et gauche 6, dans droite 3, 50 mètres. À fond, dans gauche à fond, et attention, gauche 4 court à travers portail sur tarmac, dans droite 5 court 50 mètres, gauche 5 ouvre, bosselé 30 mètres, droite 3 ferme, corde 30 mètres, droite à fond à travers portail sur gravier, et droite 4 tenir. Je suis vraiment pas confiant, je suis pas confiant du tout aujourd'hui et ça se voit. Et gauche 3 court 30 mètres. Frein gauche 1 au croisement 50 mètres. Dans droite 5 ferme 50 mètres. Gauche 4 surtout pas corde 50 mètres. Droite 4 et gauche 3 Milo ferme tenir. Dans droite 4 tenir. Et gauche 3 ouvre à travers portail 100 mètres. Gauche 4, court, petite corde, 80 mètres. Oh putain, je perds le contrôle. Droite 3, court, ferme, sur ciel. 4 secondes toujours. On va remonter un chouïa. Ciel, dans droite 5, long, ferme. Dans gauche 5, sur ciel. Et droite à fond, ferme en 4, ouvre sur bosse. Ferme en 4, ferme en 4, ferme en 4. Oh la catastrophe. Ça y est, la pénalité elle est là. Ah là 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 là, dans le dernier secteur. La pénalité il y avait longtemps. Ah là là, on était vraiment pas chez nous aujourd'hui, ouais. Ah là 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 là. Dommage, on pouvait sauver les meubles dans cette spéciale de nuit. Et on prend une pénalité. Vraiment à la fin en plus, hein. On prend une pénalité à la fin, je suis dégoûté. On pouvait sauver des meubles. Mais on va même pas le faire. On arrive 8ème, on prend même pas de points en power stage. Tu vois, t'enlèves la pénalité de 5 secondes. Et ben on arrivait 5ème à peu près, ouais. Ah là 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 là. Bah ouais, j'aurais fait 1 seconde 390 de retard. Et ben non, je me serais mis 3ème et j'aurais pris quelques points en power stage. Ah la catastrophe. On finit 11ème de ce rallye, on prend même pas un point.
Un rallye blanc, il y avait longtemps, il y avait très longtemps que ça ne nous était pas arrivé. Ah, la catastrophe ici aujourd'hui. Allez, on est toujours premier au général, faut se consoler avec ça. Mais bon, on a deux rallyes d'avance hein, sur Mats Hosberg et Enrico Brazzoli. Et malheureusement, on n'a que très peu de points d'avance sur eux. Ils sont à 12 points de nous. 12 et 23 points. Il nous reste plus que l'Espagne. L'Espagne, il faut vraiment qu'on fasse un gros score en Espagne. Mais Mats Hosberg et Enrico Brazzoli, on finira pas premier jeudi de WRC2. C'est pas possible puisque franchement, ils ont deux rallyes de retard sur nous. Donc ouais. On pourra pas finir premier en WRC2 malheureusement. Bon. Ah, la réputation qui baisse forcément, l'état de la voiture, le moral. Ah là 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 là. Heureusement, on a l'objectif de ne pas descendre sous 32 000. La réputation, on reprend de la réputation. Heureusement, on a réussi les deux objectifs. Enfin, ça compense la réputation qu'on a perdue. Voilà, pour remonter à 91. C'était compliqué. J'étais pas dedans ou qu'est-ce qui s'est passé? C'est le fait que j'ai augmenté les dégâts? Non, normalement, les dégâts n'influent pas sur les performances des IA. Bon, on va aller payer nos réparations, déjà. Voilà, on va payer. Ok. Ça, c'est bon. Je suis à combien, là? À 31 minutes. Bah écoutez, on va s'arrêter là. Ouais, le calendrier. Il nous reste un rallye à faire. Hein. On peut faire le repos. Voilà, ce sera fait. Ok. Il nous reste un rallye à faire. Ici, en WRC2. Voilà, la réputation a dû baisser aussi. Fais voir. Eh ouais, la réputation est passée en dessous de 80%. Aïe, aïe, aïe. On a perdu 5%. Bon, bah écoutez, la prochaine fois, ça sera le 7e et dernier rallye en WRC2 en Espagne. On peut que mieux faire que le rallye du Pays de Galles. Hein. Oh là là, c'était une catastrophe aujourd'hui. J'espère que vous aurez quand même apprécié cette vidéo. Il y a eu pas mal de cafouillages. Je vous dis, portez-vous bien en attendant la prochaine. Bah écoutez, dès lundi. Et en attendant, ciao, bye bye.